Match, il était très difficile face à une bonne équipe de Bougoussera. Et aussi, on a encaissé un but la première mi-temps, ce qui a rendu le match un peu difficile par rapport au début de match où on a dominé l'adversaire. Mais après le but, vraiment, le match a été un peu compliqué. Mais mes joueurs, ils ont montré du caractère et une forte personnalité d'une équipe qui veut jouer le championnat, qui veut remporter le titre. Et ces matchs-là, si tu veux remporter des titres, tu dois gagner des matchs pareils contre des équipes à la fin de saison qui ne sont pas faciles. Il n'y a pas de match facile. Toutes les équipes, soit ils veulent maintenir leur position au milieu de tableau, soit ils jouent la relégation. Il y a des équipes qui jouent le championnat. Donc, tous les matchs sont difficiles. Maintenant, on est dans un virage très difficile du championnat. Aujourd'hui, c'est une victoire très, très importante pour nous, pour la suite, pour élargir le score avec Rayon Sport et pour maintenir les deux points aussi contre Kyiv, qui a gagné à Rusizi. 10 ou à 11, l'adversaire il va être difficile parce que même s'il est amoindri d'un joueur, les autres joueurs ils vont donner plus pour compenser ce joueur qui est sorti. Ils vont reculer le bloc et si une équipe qui va jouer très compact derrière, ça va compliquer à l'adversaire les possibilités de marquer. Mais nous, même à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs de rester serein, de rester calme, de jouer notre jeu, d'essayer d'imposer notre style, de ne pas se précipiter, de chercher le but coûte que coûte avec des lamballons. Mais on a cherché des actions bien construites, un jeu court, un jeu au sol. Et après le carton rouge, avec l'introduction d'Anicetti, avec un exploit individuel, des dribbles et un tir de loin, il a pu marquer. Et aussi le deuxième but sur Ballarité, parce qu'on est en train de travailler les Ballarités. Et maintenant, les Ballarités, c'est une arme pour l'entraîneur pour gagner des matchs. Parce que parfois, tu ne peux pas toujours dominer les adversaires et tu marques 4 et 5, 6. Ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas toujours. Un jour, tu vas trouver des difficultés. Tu vas trouver un adversaire en place. Tu vas trouver un bon gardien de but qui a arrêté plusieurs actions, première mi-temps et deuxième action. Et deuxième mi-temps aussi, on a raté des buts. Avant le deuxième but, Ramadan, il était tête à tête aussi, on a raté un but. Mais à la fin, sur Ballarité et sur tir de loin, aujourd'hui, si on ne trouve pas la solution collective, on trouve la solution individuelle. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je suis content des 3 points. Je suis content du rendement des joueurs. On n'oublie pas que j'ai récupéré 7 joueurs le vendredi de la Mavoubi. C'est-à-dire mes joueurs, ils n'étaient pas avec moi à l'entraînement. Il y avait 7 joueurs titulaires à la Mavoubi. Je l'ai récupéré vendredi. Pratiquement, on n'a rien fait à l'entraînement. On est venu s'entraîner après pratiquement 15 jours de repos. Ce n'est pas facile de revenir après une trêve. Tu es le premier. Tu dois toujours maintenir ta position. Tu dois toujours imposer ton style face à des équipes qui sont motivées pour gagner la PR. Donc aujourd'hui, je suis content pour les 3 points. Maintenant, on va préparer notre match de coupe mercredi et on attend la suite du championnat. Notre destin, il est entre nos mains. On gagne nos matchs et on ne regarde pas derrière. On ne regarde pas les adversaires derrière nous. Si on gagne nos matchs, notre destin, il est entre nos mains. Mais à 6 points aussi, Rayon Sport, il est aussi concerné par le championnat. Parce qu'il reste encore 6 matchs. 6 fois 3, c'est 18 points. On ne peut pas dire que Rayon Sport, il est loin. Il y a des matchs difficiles devant nous. Il y a des matchs difficiles devant aussi Kyiv. Et il n'y a pas une équipe qui a 6 points. Je ne peux pas dire ça parce que moi, à la phase aller, j'étais loin à 7 points de Rayon Sport et j'ai rattrapé à la dernière journée. J'étais devant Rayon Sport. Donc le championnat, il joue jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute. Et on doit gagner nos matchs et n'attendre plus qu'une équipe. Elle nous donne des cadeaux, etc. Donc nous, on est premier. Et on va conserver notre première place. On doit travailler pour la conserver. Il reste de grands morceaux devant nous. Gasogi, Kyiv, Kigali et Police. C'est les 3 matchs qui vont venir. Donc, on doit bien travailler. On doit être calme et bien gérer sur le plan mental la fin de la saison. Parce que dans les derniers mètres, sur le plan mental, tu dois être prêt. Tu dois avoir le caractère et la personnalité pour arracher le championnat. J'ai pas entendu ça, mais pourquoi ils nous ont pas laissé aujourd'hui, Bougoussera, s'ils ont des fans de la PR dans l'administration? Ils nous ont gagné le match aller, on a perdu ici à Bougoussera, et maintenant on a joué à Bougoussera, qui a tenu bon jusqu'à la dernière minute pour arracher un match nul avec APR. Ils ont essayé de gagner, donc c'était pas facile. Je vois pas, aujourd'hui c'était parmi les matchs les plus difficiles qu'on a joué, donc moi j'écoute pas ces choses-là. Je joue le football pour le football. J'attends pas des cadeaux de n'importe quelle équipe.
on doit s'imposer aux adversaires et on doit concrétiser nos occasions et arracher nos 3 points. Les cadeaux, tu ne dois pas les attendre. Comme coach, je ne dois pas attendre des cadeaux. Je dois travailler. Avec mon travail, je dois y arriver. Et ce n'est pas le cadeau des autres équipes.